Salut à tous et bienvenue à l'Estadio Morumbi, l'antre d'un des géants du foot brésilien, le São Paulo FC. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Oui, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. C'est parti pour 90 minutes. Au tour du gardien de jouer. Il tente de la jouer dans l'espace. Elle continue sa course. Attention au centre. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. L'arbitre signale une faute. Une très longue passe. C'est une frappe. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le gardien loin devant. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il cherche son coéquipier. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il envoie le ballon dans l'axe. Bah, il faut s'appliquer sur ses centres. Sans se poser de questions. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Une très grande ouverture. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien ce qu'il fait là. Encore un centre. Dégagement du gardien. C'est joué long, attention. Quelle occasion, attention. Et oui, but. Et vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Erreur de communication ou de camp. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions et vite. Ça fait 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. En retrait vers son gardien. Ballon perdu, c'est dommage.
décide d'allonger le jeu. Il file côté gauche. Il progresse encore. Centre au second poteau. Oh, la tête! Oh, l'énorme occasion de la tête! Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part. Long ballon dans le sens du jeu. Le débordement à droite. Il roule ce ballon dans la surface. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. C'est bien ce qu'il fait là. Il peut y aller rapidement à l'autre but. Et voilà sous nos yeux un magnifique décrochage de toile d'araignée. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. L'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Assez précis cette passe. Pour trouver la faille dans la défense. Et pourtant, c'était un caviar au départ. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. Bon dribble. Il file côté droit. Et il continue sa course. Ça va atterrir dans l'axe. Il met le ballon dans la surface. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement. On en restera là pour cette première période. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. C'est joué dans la surface. Il tente la frappe. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. C'est joué long. Vers le but, il tente sa chance. Ce sera 6 mètres pour le gardien, je crois.
C'est osé. Joli passe lobé. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ça, c'est une interception parfaite. Il file côté gauche. Ça sprint côté gauche. Bien joué de la part des défenseurs. Corner. Tête plongeante à bout portant. Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. C'est bien joué, il a réussi à la prendre de la tête. L'interception au bon moment. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Et ce sera une faute. Ils essaient de repartir de derrière. Il essaye un long ballon. La longue passe, il peut en profiter. Et ça passe juste au-dessus. Oh, c'était pas loin ça, à peine quelques centimètres. Il a failli marquer un nouveau but. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Quelle passe. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il joue dans l'espace. La passe dans l'axe. Et le gardien peut s'en saisir. Ça joue à gauche. Il part en solo. Ce contre peut très bien aller au bout. Il file au but. Une occasion. Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. Le ballon en profondeur. Il a pris tout le monde de vitesse. Il peut conclure. Le bon jaillissement. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh, l'accélération. C'était une belle course, mais avantage au défenseur. Dans le dos de la défense. Et la bonne intervention. Ça manque un peu de solution. Sonne la charge. Il est passé. Il repique dans l'axe. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. Un long ballon vers l'avant. Tête plongeante à bout portant.
Bonne tête plongeante, mais ça ne rentre pas. C'était bien vu d'attaquer le ballon comme ça, c'était la bonne idée. Il était pas loin de faire trembler les filets, encore une fois. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Il file au but. Il avait fait le plus dur pourtant. Ah ça, ça tricote, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. L'arbitre siffle, le match est terminé. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Mais quelle démonstration de la défense. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous. Merci Taren d'avoir suivi ce match avec nous.